Ce gars est né avec un triangle dans les mains. Quand nous étions jeunes, tout le monde riait de lui. On l'appelait le Triangle Ball. Mais avec toutes ses années de pratique, il est devenu le joueur de triangle le plus influent en Amérique du Nord. Et si je ne m'abuse, il est devenu le joueur de triangle le plus influent au monde. Toutes les femmes sont à ses pieds. Il a des relations parmi les célébrités telles que Céline Dion, Elton John. J'ai même un jour entendu Georges Larraque dire « Si seulement je pouvais jouer au hockey, aussi bien que tu joues du triangle. » À l'âge de 22 ans, il était déjà très populaire et très riche. Puis il sombra rapidement dans l'enfer de la drogue. Il consommait essentiellement de la caféine et de la sucrerie. Mais il en est vite devenu accro. Nous nous sommes connus à la maison Jean Lapointe, où j'étais traité à l'époque pour une dépendance à la guarana. Étant moi-même joueur de maracas professionnel, nous nous sommes vite liés d'amitié. Je l'appelais amicalement El Triangular Gringo. Suite à toutes ces années où il avait pratiqué le triangle si assidûment, il avait développé une force mentale surprenante. C'est ce qui lui a permis de se débarrasser rapidement de sa dépendance. Depuis, il est devenu un modèle pour toute une génération de jeunes joueurs de triangle. J'ai connu Stevie à Rome. Je donnais une série de concerts et il était venu remplacer mon joueur de triangle qui était aux prises avec un problème d'herpès génital sévère. Je suis tout de suite tombée sous ses charmes et j'étais follement amoureuse de lui. Puis cet enfoiré s'est servi de ma popularité pour se faire un nom dans le milieu. Et par la suite, ce trou du s'est mis à baiser toutes les poufias qui se pointaient dans sa loge pour une autographe. Ce petit merde s'est enculé. Je jure devant Dieu, si je mets la main sur lui, je lui coupe les. Il venait d'avoir 18 ans quand je l'ai connu. Il était beau comme un enfant, mais fort comme un homme. À l'époque, je jouais avec Super Mario, Miguel X Pasquetti et Ray Ledger. Nous étions quatre musiciens sans envergure qui se produisaient dans des trous miteux. Et, un soir, ce garçon sort de nulle part et me dit « Est-ce que je peux jamais avec vous ?» À la seconde où je l'ai entendu jouer, j'ai tout de suite su. Ce garçon allait nous mener sur le chemin de la gloire.